ça chèque comme les Jackson. Re-edit yourself. On a tous un peu grandi là-dedans, sous différentes inclinaisons et différences. Déclinaisons, oula. Et le tout se mélange en fait maintenant, enfin toute cette musique se mélange bien avec toutes les influences qu'a connu le disco. Maintenant on peut en faire des versions hybrides améliorées et au goût du jour quoi, qui sont bien. I mean, when you say new disco, I immediately think of like Norway, do you know what I mean, and Lindstrom and Prince Thomas. I mean, I think they've had a big influence on what certain people class as new disco, but like I say, I don't think you can pigeonhole it. I think it's something much more than just what that term is. Évidemment, on sent qu'on appartient à une scène, ouais, disco, évidemment, nu disco. Mais en même temps, c'est pas notre but de faire que de la disco. But most people involved in that kind of sound are kind of got, like I say, have got a very broad spectrum of influences. So you might hear someone play a disco track and then play a classic bit of techno or Chicago house, you know. Je pense pas qu'on refasse des espèces de soirées à la Studio 54 justement, parce que le disco, ça a souvent été des trucs très épiques, très orchestrés, un peu baroques, et je pense que c'est justement qu'on peut ratisser large. Enfin. Le remix en fait c'est le morceau de tu t'en gardes quelques brides et puis tu vas généralement refaire toute une instrumentation. Making a re-edit is quite easy really. It's quite throwaway. It's the new, it's people who are really kind of being creative in the studio making new music. That's what really turns us on as artists. But in terms of a re-edit, you know, we kind of just try and make it a bit more playable, a bit more DJable. T'as un morceau qui a de très bonnes bases, on va dire. Il y a des bases, il y a des séquences que t'aimes moins, et puis tu vas prendre le cœur de la meule et le prolonger, par exemple, je sais pas, le break, un truc comme ça, donner plus de consistance peut-être à la basse qui est derrière ou au pied ou l'allonger, un truc comme ça, mais le morceau lui-même, les instruments de base en fait, la base même elle est pas vraiment modifiée quoi. I'm not trying to like put down anyone original music. I'm just trying to make it my own, and that's the beauty of the edit. It's all credit to the artist. I just want to make it something where I just change something to make it my own, to make it something to present to another audience. Moi maintenant, c'est que dans cette scène, entre guillemets, tous les gens qui sont un peu dans, qui kiffent un peu ce truc, c'est qu'ils se connaissent à peu près tous, j'ai l'impression déjà, qu'il y a une mm-hmm. espèce de solidarité face à la new disco, quoi, tu vois. Mais non, c'est des histoires de réseau, mais c'est quelque chose qui existe principalement, je pense, grâce au développement d'Internet, quoi. Ça a commencé par MySpace, évidemment, et puis on s'est changé nos adresses et on s'échange de la musique, quoi. Donc le lien s'est créé par Internet. Every mix we do, every edit we do, with this whole blog thing and the whole Internet thing, like, people keep picking up on it, and music is definitely shared. Comme c'est des disques que tu peux pas downloader parce que enfin tu les trouves pas sur Beatport parce que personne n'a les droits, donc c'est encore un marché qui existe sur le vinyle, quoi, le marché des édits. Mais il reste que c'est les morceaux sur lesquels pour lesquels ils ont pas les droits. Et s'ils en vendaient 3 à 4 000, les propriétaires des bandes se feraient connaître et passeraient un petit coup de fil, quoi. C'est une blague de parler de vinyle, tu vois. On peut parler de quelques exemplaires. Personne ne faisait des disques tirés à 300 exemplaires ou à 500 exemplaires il y a ne serait-ce que 10 ans. C'était une absurdité économique, quoi. Les DJ, les collectionneurs achètent encore des disques. Je sais pas, on vend, je sais pas, entre 1500 et 2000 vinyles, quoi, par sortie.
peut-être un peu plus. La démarche n'est pas la même. Je pense que le download, on l'a vite oublié, il reste dans un ordi ou on grave sur un CD. Le CD, enfin, le vinyle, il reste là, quoi. Il est là, tu l'as. Ça n'existe plus, le vinyle. C'est un objet qui est bien adapté à ces histoires d'édite parce que personne n'a les droits. Pour moi, le CD va mourir avant le vinyle, je pense. J'en suis même certain. Parce que le vinyle, il y aura toujours pour ses collectionneurs. Le nombre de vinyles que j'ai acheté sans savoir ce que c'était, parce que la pochette, tu vois, me disait peut-être que ça c'est bien. Tiens, il y a 4 blacks, tu vois, ils ont des lunettes, ils sont habillés grave et ils sont en train de sauter en l'air. Ils ont fait une photo figée. I'm Jacques Renaud. I'm from New York, and I'm a DJ. Alors moi je suis Marco Dos Santos et je m'occupe d'un club qui s'appelle le Paris Paris et je suis assez puissant. Je suis là donc je m'occupe d'un club. Pardon, j'ai encore. Ça tourne, on est d'accord. Yo 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 yo. So, please introduce yourself. My name is Duncan. I'm one half of Mock and Tooth. Ouais, je m'appelle Stéphane, donc j'ai. Three or four producers that I've been a fan of or been paying attention to since I was probably 17 years old, so almost 13 years ago. They were putting out music when I was 17 and 18 years old, that I thought at the time was something like new disco. Si ça doit évoquer un truc, c'est peut-être qu'il y a en ce moment une espèce de comeback de la disco qui fait probablement écho au comeback de la house, qui elle-même était un succès d'année de la disco, non? I call it. You know, a lot of that music's just house music anyway. Really, it's not new disco or anything. But I think, you know, it's a big umbrella, you know, to wrap yourself in, and it could be anything. Moi, le new disco, je trouve que c'est plus un truc de la presse qui essaie de trouver autre chose que la nouvelle French Touch. Ou faut bien qu'à un moment, alors il y a un petit peu de retour dans le disco. On le voit dans la pub, on le voit un peu partout, puis. Pas comment définir ça. For me, it's very interesting now, this new disco thing that like producers like, for example, Alden Tyrell sitting there, Stevie, are putting out new electronical records that sound like 70s stuff. For me, created the possibility to show the old stuff and to go around with it. I feel like it's a trend that has been going on for a long time. I don't know, it's hard for me to talk about it as being new. Because I feel like it's been happening for so long. Re-edits, I enjoy re-edits when it's a song I love that I want to hear it be extended, or there are moments in songs that I like that I think are interesting to extend or to really emphasize. L'intérêt du réédit, c'est quoi finalement? Se réapproprier un morceau, ouais. Se dire, ok, ils ont fait ça, bon, ils ne sont pas bien rendus compte que cette partie, elle n'est pas terrible, et que celle-là, elle est géniale alors qu'elle est trop courte. Moi, ce qui m'intéresse, en général, comme je te disais, dans la musique, c'est l'intensité. Donc, je vais souvent essayer de prendre des morceaux qui sont déjà assez intenses au départ, quel que soit le style, et je vais essayer éventuellement d'accentuer le truc un peu, ou de le rendre un peu plus, extrême. C'est plus ça qui m'intéresse que de copier des parts et puis allonger des parties, quoi, en gros. Moi, j'aime bien l'idée de la progression dans le morceau, l'idée de faire monter le truc un peu, comme dans les trucs psychédéliques. But when I found out about the original records, when I started finding out that people actually came together in large numbers and made these crazy sounds that then years later house music producers were sampling, I kind of got more interested in making the sounds that the house music guys were sampling, rather than lifting the sounds and editing them or changing them or remixing them or whatever. I work a bit in the studio with Stevie, but the records that are coming out is actually re-edits of records that I found during my
my treasure hunts. It's not always it's not always good records that you find, but sometimes you find the record that is interesting with like few super good loops and a lot of bad pieces. So what I do is take out the good pieces, because back then it was maybe a good record, but for the kids today it can be a good record. I try to get that out. It's like, it's kind of like remixing, but only like when you're remixing you're using like the multi-tracks, but when you're editing then you can just use the whole track. It was really inspiring for me to do it, like when I did maybe 20-25 edits, it kind of took the focus away from like making the original music, and that's what's important to me. C'est normal qu'un nouveau courant qui s'insinue utilise, rentre dans ce schéma-là. A fortiori, il s'appuie sur le fait même de pirater la musique pour créer un morceau. I personally, you know, I'm sort of old school in the sense that I like the tactile experience of having a piece of vinyl and playing a piece of vinyl. That it's hard for me to sort of encourage anyone to buy an MP3 version of my music. Les seuls disques que j'achète aujourd'hui, c'est des formats un peu spécifiques, des belles pochettes. Ils vont plus axer le truc sur l'artwork à la limite, bah, sur pour vendre quelque chose, pour avoir un truc à vendre, parce que la musique se suit plus elle-même. It's DJ culture. I love that. You have to come up with something special, and because everybody wants it, everybody has to do this. You know, like a small but good limited reissue or issue of a record means that you get like people talking about it. And you remember, like in 91, 92, with this club sound, everybody was after that unique one and scratch off the label. But I like to just put out a very good record, only small. That would be very cool to do one day, just to have on the parties where it belongs. En même temps, en ce moment, il y a une espèce de vague chelou de vinyle is not dead, machin. Alors que plus que jamais, là, vraiment, on assiste à la mort du vinyle, quoi. Ne serait-ce que dans la façon dont mixent les DJ. Qui tu vois aujourd'hui qui mixe des vinyles? Yeah, probably. In, I don't know. There's a little line that's crossed by some people, but generally if some MP3 bloggers and that have got hold of it, and they're, this is not actually okay to do, by the way, if you're doing this, just, you know, but you know, it's not the end of the world. Je suis DJ, organisateur de soirée, programmateur et compileur d'une compile consacrée à Kid Creole. Voilà. Bah moi je fais de la musique, je suis Pilouski, je fais de la musique dans la forme d'une façon assez large. If they start throwing things at me, you have to start throwing things back. I just wanna look at my schedule and think, oh, I got like 2 weeks free and I can do whatever I want. My name is Stevie Coty, and I'm searching for disco records in my life. You're from Germany? No, Rotterdam. Rotterdam? Yeah. German, okay, I'm sorry. Oh, nice.